Magistrat Gabriel Fortuné, est-ce que c'est confirmé qu'on remet démission dans la mairie de Kay? Bon, c'est confirmé, c'est officiel que magistrat encore, moi, démissionné et que administrativement, m'a géré les affaires courantes pour une très courte période. Et m'espère que le ministre de l'Intérieur là a voué avec le président pour une nouvelle commission communale. Quelle raison est démission ça? Bon, raison fondamentale là, c'est que m'a gagné le petit. Les manifestants ont attaqué l'école avant la dernière manifestation. Ils ont tenté de piller la caille, ils ont tenté de mettre du feu. Ils ont attaqué carrément. Donc, nous avons l'obligation pour défendre petit moi en bonne et due forme. Et pour quelle raison? Parce que moi, je dis que nous travaillons pour que nous ne pas vivre dans le fatra, pour ne pas continuer à vivre dans le fatra. Et puis, malheureusement, les élites de la ville, commerçants qui finançaient ces manifestations, donc dit faut que le peuple continue à vivre dans votre cas. Mais depuis le matin, il y a plusieurs personnes qui ont pris une bonne solidarité, qui n'ont pas d'accord d'émission, qui sont faits. Solidarité, je n'ai pas choisi entre petit moins et Diobla. Naturellement, je fais pour du côté de ma fille. Est-ce que ce n'est pas un constat d'échec, puisque il y a plusieurs projets qui sont supposés réaliser pas réaliser? Ce n'est pas un constat d'échec. Et c'est ça pour moi, je comprends. Je suis en 2 ans, je fais pile de bagaille au CAI, avec très peu de moyens. Le président Jovenel a à peine 1 an, 3 mois. Pas qu'un échec. Capable de retard, mais pas qu'un échec. Maintenant, deuxième raison, c'est que l'opposition a quitté un problème ici. Et puis maintenant, ils ont profité, manipulé les machins, et puis ils ont mis le président Jovenel dans la question. Donc, moi-même, comme allié président Jovenel, comme mon président Jovenel, je dis, je fais pour protéger. Parce que c'est une ligne nationale. Je vais continuer de travailler avec lui, je fais pour continuer de travailler avec lui. Ça qui est pour faire au cas là, dès qu'il a fait, l'a fait. Mais je vais retirer le prétexte. Mais il y a un mouvement de solidarité qui a annoncé demain, si Dieu veut, dans la ville. Est-ce que ça n'a pas fait autour de cette décision? Non, c'est fini. C'est fini. Je ne vais pas placement là encore. Parce que c'est une affaire financée par Pierre Léger et les élites de la ville, les élites économiques, entre parenthèses. C'est tout le monde connaît. Donc, moi, je dis, je ne vais pas mettre un cadavre ni dans le camp, ni dans le camp. Parce que moi, je dis, l'île est temps pour nous sortir dans la fatra et la première jour pour nous sortir, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans la fatra. Ils ont même dit que c'est ça le peuple a mérité, faut que là. Vous comprenez? Donc c'est mon bon marché au Cap-Fel qui finance avec Pierre Léger. Tout le monde connaît ça. Et puis, mafia, insécurité foncière là. Les gens qui ont volé, rentré sur tes mounes, vendre tes mounes, et que la justice au cas est complice dans ça. Donc, il y a une bataille m'a mené depuis le délégué, m'a mené une bataille ça. Donc c'est dans ce sens-là. Donc je ne vais pas me retenir comme ça. Donc, moi-même, vous connaissez, j'ai une conception pas du pouvoir. Je ne veux pas m'approcher au pouvoir. Je veux pour le pouvoir utile. Et pour l'utile population. Et pas moi d'abord. Si je dis le pouvoir pas habiter la population, pour le secteur économique qui réclame le pouvoir, je vais. Merci à vous, c'est même bien, monsieur. Voilà, et j'en ai annoncé hier, démission magistrat et Gabriel Fortuné dans tête mairie au Kaila. Guerrier Henry, pour vous canter la parole depuis les Kaï. Magistrat Gabriel Fortuné, est-ce que c'est confirmé qu'on remet démission dans la mairie de Kaï? Bon, c'est confirmé, c'est officiel que magistrat encore, moi, démissionné et que administrativement, m'a géré les affaires courantes pour une très courte période. Et m'espérer que le ministre de l'Intérieur là a voué avec le président pour une nouvelle commission communale. Quelle raison est démission ça? Bon, raison fondamentale là, c'est que j'ai gagné le petit. Les manifestants ont attaqué l'école avant la dernière manifestation. Ils ont tenté de piller la caille, ils ont tenté de mettre du feu. Ils ont attaqué carrément. Donc, nous avons l'obligation pour défendre petit moi en bonne et due forme. Et pour quelle raison? Parce que moi, je dis que nous travaillons pour que nous ne pas vivre dans le fatra, pour ne pas continuer à vivre dans le fatra. Et puis, malheureusement, les élites de la ville, commerçants qui finançaient ces manifestations, ils dit faut que le peuple continue à vivre dans le fatra. Mais depuis le matin, il y a plusieurs personnes qui ont pris une bonne solidarité, qui n'ont pas d'accord d'émission, qui sont faits. Solidarité, je n'ai pas choisi entre petit moi et Diobla. Naturellement, je fais pour du côté de ma fille. Est-ce que ce n'est pas un constat d'échec, puisque il y a plusieurs projets qui sont supposés réaliser et pas réaliser? Ce n'est pas un constat d'échec. Et c'est ça pour moi, je comprends. Je vais gagner 2 ans, je vais faire pile bagaille au CAI, avec très peu de moyens. Le président Jovenel a à peine 1 an, 3 mois. Pas gagner échec. Capable de retard, mais pas gagner échec.
Maintenant, deuxième raison, c'est que ouais, l'opposition a quitté un problème ici. Et puis maintenant, ouais, ils ont profité, manipulé les machins, et puis ils ont mis le président Jovenel dans la question. Donc, moi-même, comme allié président Jovenel, comme mon président Jovenel, j'ai dit, je fais pour protéger. Parce que c'est un ennemi national, je continue de travailler avec lui, je fais pour continuer de travailler avec lui. Ça dit pour faire au cas là, dès qu'il a fait, l'a fait. Mais, je retire le prétexte. Mais il y a un mouvement de solidarité qui a annoncé demain si Dieu veut dans la ville. Est-ce que ça n'a pas fait pas photo de cette décision? Non, c'est fini. C'est fini. Je ne vais pas placement là encore. Parce que c'est une affaire financée par Pierre Léger et les élites de la ville, les élites économiques. Entre parenthèses, c'est tout le monde connaît. Donc, moi, je dis, je ne vais pas mettre un cadavre ni dans le camp, ni dans le camp. Parce que moi, je dis, il est le temps pour nous sortir dans la fatra. Et la première mesure pour nous sortir, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans la fatra. Yo même yo dit c'est ça peuple a mérité fok li là, vous comprenez? Donc c'est mon bon marché au Cap-Fel qui finance avec Pierre Léger. Tout le monde connaît qui ça. Et puis mafia n'a insécurité foncière là. On moun qui a volé terre, rentré sur tes moun, vendre tes moun, et que la justice au cas est complice dans ça. Donc il y a une bataille m'a mené depuis le délégué m'a mené bataille ça. Donc c'est dans ça là. Donc bagay pour mériter dans un bail comme ça. Donc et puis moi-même vous connaissez, je ne conception pas du pouvoir, je ne veux pas m'approcher au pouvoir. Je veux pour pouvoir utile et pour l'utile population, et pas moi d'abord. Si je dis pouvoir pas habiter la population, pour le secteur économique qui réclame le pouvoir, je vais. Merci à vous, Balissa. C'est même que monsieur. Voilà, et j'en ai annoncé hier, démission magistrat et Gabriel Fortiné dans la tête de mairie au Kaela. Guerri Henry, pour vous canter la parole depuis les Cailles. Magistrat Gabriel Fortuné, est-ce que c'est confirmé pour remettre démission dans la mairie des Cailles? Bon, c'est confirmé, c'est officiel que magistrat encore, moi, démissionné, et que administrativement, m'a géré les affaires courantes pour une très 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 courte période. Et m'espérer que le ministre de l'Intérieur là a oué avec le président pour une nouvelle commission communale. Qui raison est démission ça? Bon, raison fondamentale là, c'est que m'gain seul petit, yo manifestant yo à l'attaque de l'école, avant la dernière manifestation, yo tenté piller la caille, tenté mettre du feu, yo attaqué carrément. Donc, m'gain dans l'obligation pour me défendre petit moi en bonne et due forme. Et pour quelle raison? Parce que moi, je dis, nous travaillons pour que nous ne vivions pas dans Fatra, pour ne pas continuer à vivre dans Fatra. Et puis, malheureusement, les élites de la ville, commerçants qui financent ces manifestations, ils ont dit faut que le peuple continue à vivre dans Fatra. Mais depuis matin, il y a plusieurs personnes qui ont pris une bonne solidarité, qui n'ont pas de démission. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Solidarité, je ne peux pas choisir entre petit moins et Diobla. Naturellement, je fais pour du côté de ma fille. Est-ce que ce n'est pas un constat d'échec, puisque il y a plusieurs projets qui sont supposés réaliser et pas réaliser? Ce n'est pas un constat d'échec. Et c'est ça pour moi comprendre. Je suis 2 ans, je fais un pile bagaille au CAI. Avec très peu de moyens. Le président Jovenel a à peine 1 an, 3 mois. Pas un échec. Capable de retard, mais pas un échec. Maintenant, deuxième raison, c'est que ouais, l'opposition a quitté un problème ici. Et puis maintenant, ouais, ils ont profité, manipulé les machins, et puis ils ont mis le président Jovenel dans la question. Donc, moi-même, comme allié président Jovenel, comme mon président Jovenel, j'ai dit, je fais pour protéger. Parce que c'est un ennemi national, je continue de travailler avec lui, je fais pour continuer de travailler avec lui. Ça dit pour faire au cas là, dès qu'il a fait, l'a fait. Mais, je retire le prétexte. Mais il y a un mouvement de solidarité qui a annoncé demain si Dieu veut dans la ville. Est-ce que ça n'a pas fait pas photo de cette décision? Non, c'est fini. C'est fini. Je ne vais pas placement là encore. Parce que c'est une affaire financée par Pierre Léger et les élites de la ville, les élites économiques. Entre parenthèses, c'est tout le monde connaît. Donc, moi, je dis, je ne vais pas mettre un cadavre ni dans le camp, ni dans le camp. Parce que moi, je dis, il est le temps pour nous sortir dans la fatra. Et la première mesure pour nous sortir, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans la fatra. Yo même yo dit c'est ça peuple a mérité fok li là, vous comprenez? Donc c'est mon bon marché au Cap-Fel qui finance avec Pierre Léger. Tout le monde connaît qui ça. Et puis mafia n'a insécurité foncière là. On moun qui a volé terre, rentré sur tes moun, vendre tes moun, et que la justice au cas est complice dans ça. Donc il y a une bataille m'a mené depuis le délégué m'a mené bataille ça. Donc c'est dans ça là. Donc bagay pour mériter dans un bail comme ça. Donc et puis moi même gen, vous connaissez, je ne conception pas du pouvoir, je veux pas m'approcher au pouvoir, je veux pour pouvoir utile et pour l'utile population, et pas moi d'abord. Si je dis
pouvoir pas habiter la population, pour secteur économique qui a réclamé le pouvoir, m'balil. Merci à vous, c'est même bien, monsieur. Voilà, et j'en ai annoncé hier, démission magistrat et Gabriel Fortuné dans tête mairie au Kaela. Guerrier Henry, pour vous canter la parole depuis les Cailles. Magistrat Gabriel Fortuné, est-ce que c'est confirmé pour remettre démission dans la mairie de Cailles? Bon, c'est confirmé, c'est officiel que bah, magistrat encore, moi, démissionné et que. Administrativement, m'a géré les affaires courantes pour une très 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 courte période. Et m'espère que le ministre de l'Intérieur là a oué avec le président pour une nouvelle commission communale. Qui raison est démission ça? Bon, raison fondamentale là, c'est que m'a une seule petite, yo manifestant yo à l'attaque de l'école. Avant de la dernière manifestation, yo tenté piller la caille, tenté mettre du feu, yo attaqué carrément. Donc, nous avons l'obligation pour me défendre petit moi en bonne uniforme. Et pour quelle raison? Parce que moi dis, nous travaillons pour que nous ne pas vivre dans Fatra, pour ne pas continuer à vivre dans Fatra. Et puis, malheureusement, les élites de la ville, commerçants qui financent ces manifestations, nous disent qu'il faut que le peuple continue à vivre dans Fatra. Mais depuis matin, il y a plusieurs personnes qui ont une bonne solidarité, qui n'ont pas d'accord d'émission. Non, mais qui sont fait. Solidarité, je me choisis entre petit moi et Diobla. Naturellement, vous faites pour du côté de ma fille. Donc, est-ce que ce n'est pas un constat d'échec, puisque il y a plusieurs projets qui sont supposés réaliser et pas réaliser? Ce n'est pas un constat d'échec. Et c'est ça pour moi, je comprends. Je suis 2 ans, je fais pile de bagaille au CAI, avec très peu de moyens. Le président Jovenel a à peine 1 an, 3 mois. Pas un échec. Capable de retard, mais pas un échec. Maintenant, deuxième raison, c'est que ouais, l'opposition a quitté un problème ici. Et puis maintenant, ouais, ils ont profité, manipulé les machins, et puis ils ont mis le président Jovenel dans la question. Donc, moi-même, comme allié président Jovenel, comme mon président Jovenel, elle a dit, une fête pour protéger. Parce que c'est une ligne nationale, je continue de travailler avec lui, une fête pour continuer de travailler avec lui. Ça qui est pour faire au cas là, dès qu'il a fait la fête, mais je retire le prétexte. Mais il y a un mouvement de solidarité qui a annoncé demain, si Dieu veut dans la ville, est-ce que ça n'a pas fait pas photo de cette décision? Non, c'est fini. C'est fini. Je suis pas dans le placement là encore, parce que c'est une affaire financée par Pierre Léger et les élites de la ville, les élites économiques, entre parenthèses, c'est tout le monde connaît. Donc, moi, je dis, je ne vais pas mettre un cadavre ni dans le camp, ni dans le camp, parce que moi, je dis, il est temps pour nous sortir dans Fatra et la première mesure pour nous sortir, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans Fatra. Yo même, yo dit, c'est ça, peuple a mérité, faut qu'il est là. Vous comprenez? Donc, c'est mon bon marché au Cap Ferre qui finance avec Pierre Léger. Tout le monde connaît ça. Et puis, mafia, insécurité foncière là. On, moun qui a volé terre, rentré sur tes mounes, vendre tes mounes, et que la justice au cas est complice dans ça. Donc, il y a une bataille, m'a mené depuis le délégué, m'a mené bataille ça. Donc, c'est dans ça là. Donc, je ne vais pas mériter dans un bail comme ça. Donc, et puis moi-même, vous connaissez, je ne conception pas du pouvoir, je ne veux pas m'approcher au pouvoir. Je veux pour le pouvoir utile, et pour l'utile population, et pas moi d'abord. Si je dis pouvoir pas habiter la population, pour le secteur économique qui a réclamé le pouvoir, je vais merci à vous, Barista. C'est même bien, monsieur. Voilà, et j'en ai annoncé hier, démission magistrat et Gabriel Fortuné dans tête mairie au Kaela. Guerrier Henry, pour vous canter la parole depuis les Cailles.